Les musulmans et chrétiens de Côte d'Ivoire ont partagé la même période de jeûne en 2023. À la veille des solennités pascales, dans un élan de solidarité, les Ivoiriens ont décidé de souhaiter à leurs concitoyens de passer de bonnes fêtes de Pâques et de Ramadan. Alors, on tient à fêter une très bonne fête de Pâques à tous les Ivoiriens, chrétiens comme je le suis, musulmans comme mes amis le sont, une très bonne fête de Ramadan pour eux. Et on espère que Dieu puisse protéger chacun de nous. Et la meilleure des manières de le faire, ce serait oui, par la prière, par l'amour, par la communion, mais aussi en musique, puisque nous sommes des musiciens. J'aimerais souhaiter un bon mois de carême à mon ami Ibé. Bon, et un baoulé qui est devenu Dula, en fait. Kwame a dit quand Justin. Maintenant, il est devenu Dula, il s'appelle Ibrahim. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon mois de carême, mon ami. Bon, tant pour souhaiter une bonne fête de Pâques à mes parents, et surtout aussi longévité, la santé, et que surtout, une longue vie pour que je puisse réaliser demain et pour mon argent. J'aimerais souhaiter une bonne fête de Ramadan à ma famille, surtout à ma maman, à mon père et à mon grand frère. Longue vie à eux, longévité, beaucoup d'argent et surtout la santé. Je souhaite une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens et un bon mois de carême à tous les musulmans. Je salue en particulier les parents. Je souhaite une bonne fête de Pâques aussi. La santé, longévité, toutes les bontés. Premier jour dans le tombeau, ils ont cru que c'était fini. Deuxième jour aussi, ils ont cru que c'était fini. Et Samuel, yo, le fils du Saint-Esprit, ton esprit est dans ma tête. Joyeux Pâques à tous, yo, Pâques. Bon mois de carême à tous, yo. Et si bien le condolongo, c'est le Seigneur qui nous aime.